يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ومن يعتصم بالله يسلم من الورى، ومن يرجه هيهات أن يتندما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bienvenue dans votre émission quotidienne La Noblesse de Caractère. Aujourd'hui, nous allons parler de comment entretenir l'amitié. Parce qu'après avoir parlé de l'amitié, l'amitié, c'est comme toute chose, jamais quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui doit s'entretenir. Eh bien, nous nous sommes rendus compte que l'amitié ne peut s'entretenir, ou en tout cas peut bien s'entretenir, à partir de cette chose que nous allons très rapidement évoquer ensemble. La première, c'est bien entendu de faire en sorte qu'il y ait des rencontres. Mais ces rencontres-ci, si elles se font, elles doivent être la source, n'est-ce pas, eh bien, de la création ou de la provocation d'autres rencontres. Car comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Zurriban tasdad hubba ». Moins vous vous rendez visite, plus celui à qui on a envie de rendre visite parce qu'étant un ami, eh bien, se fait désirer. Il faut, comme dirait l'autre, savoir se faire désirer. Et la meilleure des manières, c'est justement d'éviter de tomber dans la monotonie, raison pour laquelle ce hadith nous apprend à nous rendre visite, mais pas tout le temps, car en nous rendant visite tout le temps, eh bien, on perd, l'amitié perd de sa force, pour ne pas dire de sa superbe. Deuxième chose, eh bien, savoir se faire des cadeaux. Une des manières, des meilleures manières de se faire des cadeaux, d'entretenir l'amitié, c'est bien entendu de se faire des cadeaux, car voyez-vous, eh bien, il y a là, comme qui dirait, une manière d'arroser l'amitié, exactement comme on arrose une fleur. Et vous savez, quand on tient à quelque chose, on ne compte pas, et c'est la raison pour laquelle on dit tout le temps que aimer, savoir aimer, c'est savoir aimer sans attendre un retour. Mais voyez-vous, on n'est pas dans le calcul, mais on est plutôt dans le sens où parce que j'aime, eh bien, je me donne, je donne ce que j'ai, je donne ce que je suis. Car voyez-vous, aimer, c'est faire confiance. Or, faire confiance, c'est donner une partie de soi, si ce n'est ce qu'on a de plus cher, à savoir, eh bien, notre cœur, notre amour. Troisième chose, c'est la notion de sincérité. Ne pas jouer avec les sentiments. Une sagesse populaire dit qu'il ne faut pas badiner avec l'amour. Eh bien, il n'en va pas différemment de l'amitié. On ne badine pas avec, on n'est pas à moitié ami. On est ami ou on ne l'est pas. Et il faut savoir distinguer collègue d'ami. On peut être collègue sans être ami. Mais quand on est ami, c'est qu'il y a amour, car amour et ami ou amitié sont des mots qui viennent de la même racine. Quatrième chose, eh bien, la notion d'empathie. Être porté à la rencontre de l'autre et se sentir bien quand on est à côté de cet autre. Cinquième chose, la notion de disponibilité. Alors on sait très bien qu'il y a des gens que l'on n'arrive jamais à voir au téléphone ou des gens que l'on n'arrive jamais à voir. À chaque fois qu'on cherche à les voir, eh bien, ils sont occupés. Ce n'est pas, bien entendu, des amis. Autrement, l'ami est celui qui, quand son ami a besoin de lui, ou celui qui cherche toujours à aller à la rencontre de cet ami, raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt un hadith, un propos attribué à Daoud, d'après ce que Abu Huraira recueille, d'après l'imam Suyuti, eh bien, le prophète, Dieu a dit, « Ya Daoud, ou toi Daoud, kathaba abdi, mon serviteur ment, idha da'a mahabbati, lorsqu'il prétend m'aimer, wa idha janna alayhi layluna ma'anni, alors que lorsque la nuit tombe, eh bien, il dort et m'oublie. » Alors, dernière chose, c'est bien entendu de trouver des excuses à l'ami. Trouver des excuses à l'ami, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes dans une relation de confiance telle avec l'ami que, eh bien, rien de ce qu'il fait ne sera en mesure ou ne viendra mettre en doute ses intentions à notre endroit. Eh bien, si ces choses-là sont réunies, eh bien, l'on peut dire que l'amitié, elle va survivre, ou en tout cas, elle a des chances de durer longtemps. Et voyez-vous, il n'y a rien de mieux dans l'amitié que, comme nous l'avons dit, cette notion de sincérité, car
La sincérité, c'est ce qui va m'amener à toujours être honnête vis-à-vis de mon ami, ne jamais chercher à lui faire des coups de crasse, comme on dit. On le verra, bien entendu, dans ce qui rompt les amitiés, demain, dans votre émission quotidienne de demain. Mais en étant sincère, eh bien, on aime sans pour autant attendre que l'autre nous fasse quoi que ce soit. Nous aimons parce que nous aimons. Vous savez que une des choses les plus bizarres et les plus magiques dans l'amour, donc dans l'amitié, c'est que nous ne savons pas véritablement pourquoi on aime. Car voyez-vous, quand on sait pourquoi on aime, c'est qu'on aime pour une raison. Or, quiconque parle de raison en amour parle de calcul, et c'est ce qui rompt les amitiés. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ومن يعتصم بالله يسلم من الورى ومن يرجه هيبة